Arsenal de Metz, vendredi 21 octobre. Le pôle Défense Mobilité organise, avec la mairie de Metz, le pôle emploi et la mission locale, le premier forum entreprise de la région. Alors l'objectif du forum entreprise d'aujourd'hui, c'est de mettre en relation directe les recruteurs privés et publics avec les candidats de Défense Mobilité, qui sont les militaires, leurs conjoints, mais également les personnels civils issus des organismes structurés, aussi et surtout les anciens militaires en recherche d'emploi. Ce forum s'adresse à la fois à ceux qui sont engagés dans une démarche de transition professionnelle effective, mais également à ceux qui mènent une réflexion et pour qui le forum constitue une aide à la décision et à la réflexion. Nombreuses étaient les entreprises présentes sur le forum, issues de tous les secteurs d'activité à la recherche du candidat idéal à recruter. Nous sommes venus à trois entreprises, donc il y a Dalkia, Veolia Transport, donc ça des côtés de réseau. Parce qu'on a déjà eu l'occasion d'embaucher des anciens militaires dans nos entreprises et on sait que les compétences qu'ils ont acquises dans l'armée sont transposables dans l'entreprise. Donc on poursuit notre recrutement d'anciens militaires. La foule était dense lors de cet événement, chaque visiteur venant dans un but bien précis. Pour rencontrer pas mal de personnes, faire des démarches pour essayer de trouver un emploi, je trouve que c'est pas mal et ça aide bien au niveau de la reconversion. C'est sur une note très positive que se termine cette manifestation qui sera reconduite prochainement. Tous les partenaires ayant mutualisé leurs efforts dans un but commun, l'accès à l'emploi.